Relire le monde. Marie Scondé, les derniers rois mages. Un jour, la forêt a écarté ses cuisses. Et une à une, les cases rondes avec leurs toits de paille sont tombées de son ventre et les hommes ont brandi leurs sagaies pour aller chasser les éléphants au bloc à pied, tandis que les femmes allumaient le feu entre trois pierres et donnaient aux enfants le lait de leur sein. Ce fut le premier village des Aladaouni. La forêt donna chacun pour se nourrir. Le miel des abeilles, le nectar des orchidées, le fruit dur de l'avocat sauvage, la chair des chenilles et celle de la boutique. Quand, après 9 mois, 1 semaine et 3 jours, Posu Adéwéné décida de quitter l'eau du ventre de sa mère et de rejoindre les autres humains, la forêt avait perdu sa voix. Ce soir-là, pas un vroom-vroom de moustique ou de chauve-souris, vampire qui cherche le sang pour le boire. Pas un fuit-fuit d'oiseau fou pillant le suc du pollen. Pas un crarac de toucan enroué par son bec. Pas un pas furtif d'antilope royale foulant le tapis végétal. Agazou, la panthère, rôdée dans la noirceur.